Alors, l'apprenti, es-tu prêt pour apprendre la recette la plus célèbre de l'histoire de la sorcellerie? Oui, je suis prêt et impatient de savoir fabriquer les balais volants. Oh, ça a l'air très compliqué. Il faut beaucoup de précision et un ingrédient très rare. La sorcière pas claire est en train de l'appeler avec un sifflet ultrason. Mais c'est quoi ce truc? On dirait une chauve-souris pas chauve. C'est exactement ça. Une chauve-souris chevelue. Et l'ingrédient très rare et indispensable pour les balais volants, c'est justement ses cheveux. Il en faut plusieurs, coupés à une longueur très précise. Regarde le grimoire et dis-nous les longueurs. Pas clair va les couper. Mettre dans un chaudron chauffé à feu doux un cheveu de chauve-souris de 3 unités. Puis, un cheveu de 1 unité et 5 dixièmes de long. Mais comment on fait? Il n'y a pas de repère pour les dixièmes sur la ligne. On découpe une unité en 10 parties égales pour écrire les dixièmes. Et on place le 1 et 5 dixièmes sur la ligne. Ah oui, ah oui. Et pour la suite, il faut ajouter un cheveu de 20 dixièmes de long. 20 dixièmes, c'est 2? Oui, 2. C'est vrai qu'on peut écrire un même nombre de différentes façons. Maintenant, on doit remuer 4 fois avec un manche à balai sans balai. Et enfin, ajouter un cheveu coupé à 1 unité, 2 dixièmes et 3 centièmes. Mais il n'y a pas de repère pour le centième. Pas de panique. On découpe un dixième en 10 parties égales pour écrire les graduations des centièmes. Et c'est réglé. On peut toujours créer des graduations plus petites. Et voilà, un jeune balai volant tout prêt à l'emploi. Vas-y, pas clair, le balai volant est prêt. Il n'y a plus qu'à le chevaucher. Je crois qu'il faudra quand même prévoir une petite période de dressage. C'est fougueux, un jeune balai.